Et salut à tous, et on peut enfin commencer ce jeu, on peut enfin commencer à jouer. Oui, non, j'avais fait des tests, donc pour voir si tout était correct au niveau de la qualité graphique et tout ça. Donc on va faire évidemment un nouveau jeu. On est parti, on est parti dans cette aventure. Alors je sens que ça va être oui, j'avais dit que j'allais prendre Vagabond. Je me l'étais dit à moi-même. Ça, je pense que c'est juste. Hop, on va taper le petit nom. Voilà. Ça, je pense que ouais, c'est juste le design, hein, il me semble. C'est pas très très important. Est-ce que je suis mûr? Allez, on va dire que je suis mûr. On verra. Origine, donc ça, on va laisser ça. Legs. Alors là, par contre. Est-ce qu'on se prend un petit truc pour se donner un petit coup de main? Vendre les PV max. On va se faire une espèce de tank. Hein. On va essayer de se faire un truc au corps à corps, mais un peu tanky. Donc je pense que le vagabond, c'est pas mal le meilleur choix pour ce genre de personnage. Bah, donc du coup, je pense qu'on va prendre ça. Je pense qu'on va prendre ça juste. Voilà, bon, on est vraiment affreux. Je sais pas, est-ce qu'on le modifie un peu? Oh, dis donc, t'as passé trop de temps au soleil. C'est moi à Cancun, ça. Là, tu es bien jaune. Pas non plus passé 10 ans. Alors, est-ce qu'on se le. On va se faire un truc vite fait. On va pas non plus. Mais tu es laid. Ok, d'accord, comme ça. Non, on va juste garder ça. Bon, on peut pas faire des randoms. Enfin, je veux dire. Non, on va peut-être changer ses cheveux. Histoire de faire un truc un peu plus stylé. Oh là, il est stylé là. Ok, on va se faire un truc bien vénère. Mais il est énorme comme ça en fait, je trouve. Allez, on y va avec ça, moi j'aime bien. Ouais, il faut la couleur qui va avec. Non, oh, c'est énormissime ça. Et avec ça, je ne peux pas. Éclat, non, éclat, on va laisser ça comme ça. Non, c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Mais les sourcils, on ne les verra pas. On ne les verra pas, pardon. Ah oh, oui, magnifique comme ça. À moins que. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire encore mieux? Mais oui, mais voilà. Il y a toujours moyen de faire mieux. Non, non, la couleur est très belle. Je suis très content du personnage là pour l'instant. Non, non, regardez, il a l'air motivé, il a l'air beau et tout. Non, non, on va pas lui mettre de trucs, non. Ça, je pense qu'on ne touche pas. Je pense que c'est très bien. On va peut-être lui mettre plus de poils. Ils sont où les poils? Une différence de poils là? Bon, laissons ça comme ça. On va pas sauvegarder ça non plus, mais je pense que c'est bien. On va essayer d'éviter de lui mettre un casque. De trouver la touche. Oui, allez, on y va. On va essayer de trouver la touche pour enlever la modélisation du casque pour qu'on puisse quand même regarder la coupe de cheveux extraordinaire du personnage. Alors attention, parce que moi, en tant que jeu software, le seul que j'ai fait, c'est Nioh 2. J'avais touché un petit peu à Dark Souls, mais je ne sais plus lequel. Et pas longtemps. Du coup, ça va être épique, parce que je ne suis pas du tout habitué à ces jeux-là. Je ne suis pas du tout habitué au gameplay de ces jeux-là, parce que même Nioh 2, c'était pas vraiment le même gameplay. C'était un petit peu différent. Donc je sens qu'on va s'éclater. Voilà, surtout moi. Surtout le personnage. Alors, donc du coup, ben, je ne connais pas le lore du tout, mais ça doit être nouveau de toute façon. Je pense pas que ça a un rapport avec les autres Dark Souls. Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Alors ça va être pareil pour les items qu'on va trouver, hein. Les astuces et tout ça, je sais qu'ils existent, je sais qu'ils sont dans le jeu.
demigods. Mais leur intérêt, leur utilité, je vais le découvrir au fur et à mesure. Of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. J'ai pas entendu beaucoup parler du scénario, je sais pas si c'est vraiment un point fort du jeu. Bon, les saouls, après, c'est pas non plus le scénario qui est mis en avant. Je pense pas. By the greater will. J'ai vu par contre que j'avais les touches de la version Xbox. Ça m'embête un petit peu, surtout au début, quand t'es pas trop habitué à la manipulation. C'est bien d'avoir les touches qui correspondent à la manette que tu utilises. Si tu arrives à le changer, désolé si vous m'entendez tousser, cracher, décéder sur ma chaise, mais j'ai été un peu malade. C'est pour ça que je ne fais que maintenant le premier épisode. Je ne vais juste pas parler. J'arrive d'avoir autant de mal que mon personnage à subir le jour. And Sir Gideon Othniel, the all-knowing. Parfait, je n'ai rien écouté. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. Ah, on lui voit sa belle moustache rose là. Ah, il faut à tout prix que j'arrive à lui retirer son casque. J'avais juste regardé un peu les classes pour partir sur une classe qui me correspond. C'est à peu près le seul truc que j'ai regardé du jeu. Je sais que c'est pas nécessairement la classe la plus... la plus conseillée pour les débutants, mais je voulais pas partir sur de la magie parce que bon, jouer la magie, c'est vraiment pas mon délire. Donc on va quand même essayer de jouer. Alors je regarde un peu les touches aussi. Hop, je regarde un peu les touches, je regarde un peu les coups. Alors ça c'est le bouclier. Alors j'imagine évidemment que ça ne va pas tout parer, ça va parer une partie des coups. Ça c'est le coup de bouclier et ça c'est un coup de. Ça a l'air d'être un coup d'estoc. Donc coup léger, coup dur, avec une petite allonge, parade, et j'imagine, je sais pas si ça c'est une parade, genre on peut parer au bon moment, c'est-à-dire que quand l'ennemi attaque on peut faire ça. On va le tester, hein. De toute façon les morts ici sont pas très, c'est pas très important de mourir, bon, c'est important de mourir dans aucun jeu, mais dans celui-ci on va pas commencer à les compter parce que je pense qu'on n'a pas fini. Alors, déjà j'utilise cette touche là pour... J'utilise ces touches là pour courir alors qu'en fait c'est pour se baisser. Alors je pense pas qu'il y ait une touche pour sprinter. Je ne pense pas non plus qu'il y ait des choses ici. Toucher la tache de sang. Oui, donc on va pas non plus commencer à regarder tout ce que les gens postent parce que sinon je pense que le jeu va être... Le jeu va déjà être assez long comme ça. Ok. On va quand même fouiller un peu. Après tout, c'est un open world maintenant. Bah, je considérais déjà les souls comme un petit peu des open world, même si bon, c'était juste des zones. Oui, et non, arrête de te baisser. Là, il va vraiment falloir que j'arrête de toucher à ça. J'imagine qu'il n'y a pas de touche pour sprinter par contre. Parce que ça ne fait rien. Alors, là, il se gratte les fesses. Très bien. Très bien, très bien, très bien.
Non, on va attendre quand même le premier mob avant de mourir. On va essayer de ne pas se jeter dans le vide bêtement. Même si ça arrivera aussi, très certainement. Mais on va éviter, on va éviter. C'est vrai que le rendu est beau. Il y a plein de personnes qui se promènent sur les côtés. Ouais, il va y avoir des traductions aussi un petit peu laborieuses, j'imagine. Et ennemi fort droit devant. Très bien. Pour moi, tous les ennemis vont être forts dans ce jeu, donc ça ne va pas beaucoup m'aider. J'aimerais bien aussi réussir à vaincre tous les ennemis par moi-même sans véritablement aller chercher de tuto ou quoi. Maintenant, c'est sûr que si je bute sur un ennemi une vingtaine ou une trentaine de fois. Comment il est mort celui-là? J'ai pas vu. Ah, bon. Ouais, écoutez, tant pis. Ah! Bonjour! Oula! Ah! Ça commence. Ah oui, effectivement. Effectivement, j'ai pas. Je peux pas tout parer. C'est ça, je peux pas tout parer et je suis déjà mort. Ah! Et je suis mort, oui. Ah oui, non. Ah, mais dis donc. C'est déjà un viol! Mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti la douleur, mais j'ai pas vu d'où ça venait. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est pas possible. Non mais, dites-moi que c'était un script. Non mais sinon, je vais mettre déjà 5 épisodes pour passer celui-là. Bon, mais merci de m'avoir suivi, et puis on se voit à la prochaine. Qu'est-ce que c'était que ça? Mais attends, même dans Nioh 2, j'avais une chance contre le premier mob. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Ah, c'est Satan. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. Non mais vous saviez que j'allais arriver, hein, techniquement, parce que vous pensiez que j'allais battre le premier mob comme ça. Il me manquait, soit il me manquait des niveaux, fallait peut-être que je farme, je ne sais pas. Fallait que je casse des cailloux pour monter l'XP. The Golden Order. Donc c'est bien comme je l'imaginais, c'est-à-dire que la parade ça part, mais à un moment donné ça va puiser dans mon endurance et quand j'ai plus d'endurance, ben je ne pars plus. Mais c'est le style de jeu que j'aime bien par contre, jouer l'épée bouclier, c'est vraiment c'est ce que je choisis presque tout le temps dans n'importe quel jeu quand ça donne la possibilité de choisir le système parade et tout, j'aime bien. Puis de mon point de vue, c'est ce qui me semble le plus safe dans ce jeu-là. Alors, ouais. Et du coup, oh, du coup, c'est très très sombre. Ah oui, là, c'est vraiment très très sombre. Est-ce que c'est pas trop sombre, par contre? Où est ma luminosité? Non, c'est pas ici. Ah, voilà. Oui, on va peut-être éclairer un peu. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il fait trop clair dans la pièce là où je suis ou. Ouais, c'est à peine mieux. Mais déjà, j'y vois un peu mieux. Très bien. Ouais, non, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Ah non, arrête de te baisser là. Ça va être un calvaire là, ce truc là. Ah. Bonjour.
sauter le pas. Je peux descendre ici. Utiliser un objet. Ah ! J'ai pas vu ce que j'avais pris, mais d'accord. Ok, ça va. Donc les dégâts de chute sont pas non plus extraordinaires. Oui, c'est le carré. Parce que ça me dit X pour utiliser un objet, sauf que c'est le X de la manette Xbox. Donc évidemment, au début, je vais sûrement confondre. Oui, ça je savais par contre. Enfin, je me rappelais. Mais j'ai plus besoin de toucher la grâce. Ok, j'imagine qu'il faut quand même la toucher pour le débloquer, ce passage. Arrête, ça suffit. Oh oui, mais je suis dans le tuto en fait. Donc il fallait que je clame obligatoirement contre... Attends, c'est un ennemi ça. Ah oui, c'était un ennemi. Ah là, je me sens tout de suite beaucoup plus fort. Oui, s'il vous plaît, laissez-moi... On va quand même tester la parade pour voir. Ah non, ça marche pas. Ah, ça marche pas. J'ai essayé de faire ça pour voir si ça le... Si ça le compterait. Mais ça le compte pas, c'est juste un coup en fait. Ok, donc on va essayer de voir... Pour bloquer les nains, la garde est partie. D'accord. Je veux voir s'il y a, si je peux le faire au bon moment. Ah, oui. Bon, ça va pas m'aider beaucoup si jamais il frappe pas correctement. Oui, je peux les cibler aussi. Oui, ça d'accord, c'est la roulade. Ok, si jamais je ne touche pas. Si jamais je ne touche pas la touche directionnelle, ça fait automatiquement le pas arrière. Ok. Ça va. Ça va jusque là, j'ai compris. Bon, ça par contre, ça ne sert à rien, je pense. Détruire les espèces de trucs, ça ne m'aidera pas. Ah non, le nul, il joue la magie. Le nul. C'est pourri, c'est pour les elfes. Toucher la tache de sang. Mais quand tu touchais les taches de sang, normalement, tu t'avais pas accès genre à la mort de la personne. Parce que là, je ne vois pas les gens mourir, ce n'est pas drôle. Pas de raison pour qu'il y ait juste moi qui meure. Ok, je pense que celui-là va être un peu plus vénère. Vous pouvez assigner jusqu'à 3 âmes à chaque main afin d'éternir la... Oula. Oui mais attends, laisse-moi jouer. Ok, j'ai une halobarde aussi. Ah, là je range mon bouclier. Ah, évidemment. Attends, recommence, j'étais pas prêt. Ah non, attends, j'étais pas prêt non plus. Ça va être laborieux. Allez, fais quelque chose. Tu veux pas? Il veut pas. Ok, faut juste... bon. Ça m'a pas beaucoup entraîné à la parade, par contre, ça. Ouais. Encore une fois, c'est bizarre, je touche les taches de sang, mais je ne les vois pas, je ne les vois pas me décéder. Non, on va reprendre l'épée. Je trouve que la halbarde est peut-être un peu longue à taper. Ça sera peut-être utile contre certains mobs, certains boss. Je sais pas. Bon, eux sont vraiment trop lents. Il va vraiment falloir que je m'entraîne à parer au bon moment. Il va aussi falloir que je regarde si ça sert à quelque chose de taper dans ces caisses. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Et puis, est-ce que j'ai pas... inventaire. J'ai pris un dégât, attendez. Non, attends, parce que je suis en train de prendre des dégâts pendant que je suis dans mon menu et ça j'aime pas. J'aime pas. Voilà. Là, maintenant, je vais dans le menu. Et je peux regarder ce que j'ai, en fait. Ok, ça restaure les PV.
ça reste pour mes points de en endurance. D'accord, ça c'est un TP. Ok, donc ça c'est juste pour écrire des trucs aux autres joueurs. C'est très très bien, c'est parfait, c'est génial, ok. Y a pas de soucis. Par contre, ça c'est bien joli, ce coup-là, mais je ne vois pas l'utilité. Les armes disposent de capacités spéciales nommées compétences. Ah d'accord, donc PC c'est point de compétence. Il existe toute une variété allant de simple attaque puissante à des effets temporaires. Il y a des compétences pour consommer des PC, ouais. C'est bon. Et je fais comment? Peut-être pas sur lui parce qu'il est un peu lent. C'est chiant parce que là tu te sens tout de suite très très fort étant donné que les ennemis sont extrêmement faibles et extrêmement lents. Ah d'accord, on va enfin pouvoir utiliser correctement la touche pour ce... Mais là il me voit là, non? Non, il me voyait pas. Très bien. Ah, il y a des ennemis ici, Ah non, d'accord, c'est encore un truc pour ce... Ah mais là, il m'a gaulé. Allez, je veux... Bon, je ne sais pas si c'est parce que je l'ai utilisé au bon moment qu'il a... du coup, il a reculé un peu. Peut-être que non. Je ne sais pas s'il y a vraiment un timing pour les parades, histoire de... Ce qui veut dire... Les attaques chargées et sautées sont particulièrement efficaces pour briser la parade. Oula. Attendez. Ça c'est sauté. Ah ok, ça c'est un coup pour le soldat. Ok, d'accord. Bon, il va falloir vraiment s'y faire à ce truc là parce que... Pour revenir à la vie au dernier site de grâce visité. Toutefois, si vous mourrez près d'une effigie mana, vous pouvez choisir d'y ressusciter. Ah. Et ça se casse pas, c'est automatique quand tu passes à côté. Enfin, je sais pas, j'ai rien vu. Ah, oh, mais c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. Ah, est-ce que le combat va être un peu plus simple? Oui, exécuter une contre-attaque immédiatement après avoir bloqué une attaque ennemie. Contre-attaquer un ennemi permet de briser plus facilement sa posture. Immédiatement après avoir bloqué une contre-attaque. RT. Aïe! Aouh! Ah là 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 là! Attendez! Attends! Ouais, j'étais vraiment pas prêt là, j'ai encore fait n'importe quoi. Ouais, mais c'est une chance qu'il était extrêmement faible parce que j'ai extrêmement fait de la merde. Ouais, vous pouvez pas mourir là-dessus quand même là, je suis très mauvais et j'ai réussi à survivre. Et j'ai pas compris la parade, je l'ai peut-être pas fait au bon moment aussi. Ouais, en fait la parade, je sais pas si c'est parce que mon bouclier est trop petit. Mais j'ai pas l'impression que ça part beaucoup. Et je me retrouve déjà sans fiole. Voilà. Voilà. Quoi, on peut passer par là? Non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, allez. Continuons, c'est de l'entraînement, ça prend de l'entraînement. Pardon. Ça va prendre de l'entraînement. Non, mais je ne les vois pas. Je ne vois pas les... je ne vois pas les morts, tant pis. Ok, une émote. Ah, et je suis revenu ici. Ok, j'ai fait le tuto en fait. Ça va, j'ai compris. Enfin, j'ai compris maintenant. J'ai pas trop assimilé encore toutes les bases, mais... Fais pas peur comme ça, s'il te plaît. Toucher la grâce, oui. Et si je me repose, parce que franchement j'ai plus du tout les notions des Dark Souls, donc
Fiole. C'est quoi fiole? Non, 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 c'est pas ça que je veux faire. Au matin, on va voir. Est-ce que ça me régénère ma vie? Coffre, c'est quoi? Ok, c'est juste mon stockage de trucs, ça va. Et ça me remet mes fioles de l'arme pourpre. Ok, d'accord. Ça me les remet à chaque fois que je suis à une zone. Ça, je me rappelle. Allez, vous pouvez mémoriser des sons. Oui, mais ça, on ne les utilisera pas. C'est pour les elfes. Et ça, sont mes fioles, d'accord. Et je peux donc améliorer le nombre de... D'accord. Le nombre de fioles que je peux transporter. Ça, je... Oui, pourquoi pas. Ah, oui, effectivement. Ça va être plus compliqué si je ne l'ai pas. Et pour s'inscrire, une marque d'un... Ouais, mais ça, c'est le truc pour... J'ai bien compris. C'est juste le... C'est juste pour écrire sur le sol. Ça d'accord, ça va, je l'ai. Et donc il n'y a vraiment rien dans ces petits pots là, c'est vraiment juste de la décoration. Ou est-ce qu'à un moment donné on va trouver des fioles et des trucs comme ça. Je sais que dans Nioh tu trouvais des trucs là-dedans. Et là j'ai vraiment pas l'impression qu'ils ont mis un système de loot. Hunter droit devant. Ok, et qu'est-ce que... Quoi? Ah d'accord, quoi, je peux pas... Oui, bon, alors ça par contre, super. Donc en gros, le message, il m'empêche de continuer le jeu, c'est ça? Oui, bon, très bien. Et passer le message, je fais comment? Parce que là... Donc en gros, je suis bloqué parce que le message est là, c'est ça? J'avais lu ça aussi, hein, les gens qui t'empêchent de continuer l'aventure parce qu'ils te mettent des trucs comme ça. Super, donc ça veut dire que en gros je suis obligé de charger ma partie, c'est ça? Je pense que oui. Ah, peut-être pas. Dire que non. Il y en a vraiment qui jouent à l'arc dans ce jeu. Du coup, j'ai dénigré le message pour rien. J'étais mauvaise langue. Ah, et l'open world qui se révèle maintenant. Je ne suis définitivement pas prêt. Ah, encore une fois, j'essaie de sprinter. De nos jours, certains sites conservent ce pouvoir. Leur... D'accord, bon, on va pas se reposer là. Servez-vous de la carte pour consulter votre position actuelle et connaître les structures et terrains vides. Trouvez des fragments de cartes de stèles de route le long des routes. De nouvelles informations sur votre carte. Vous pouvez également y placer vos propres balises afin de vous... Parfait. Parfait, allez, qu'est-ce que tu veux, toi? Allez, hop, je me fais insulter direct. Ah non, je vais pas avoir de honte dans ce jeu, parce que sinon je vais passer mon temps à avoir honte. Chaque fois que je meurs, chaque fois que je me perds, chaque fois que je trébuche dans l'escalier, ouais, bah ça, je le savais déjà avant de commencer à jouer. Hein. Ça sera pas un problème. Bon, et donc c'est parti pour le vagabondage. J'allais dire, bah oui, un petit peu le vagabondage. C'est parti pour l'exploration. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il y a? C'est des oiseaux, ça? Voilà!
Ah, et je gagne de l'XP en tuant la faune et la flore. Ah là là, vous craignez mon épée, hein, les fleurs et les écureuils là, parce que je vais faire de l'XP sur vous, étant donné que je ne serai trop faible pour taper sur les mobs. Je vais m'en prendre aux petits animaux de la forêt. Qu'est-ce que c'est ça? C'est tout rouge. Je vais le manger. Ah, un peu partout dans l'entre-terre, vous trouverez des fruits, des fleurs, des champignons, des papillons et. Oui, c'est ça que je veux tuer. Servez-vous-en pour fabriquer des objets. Ouais. Ils vont pas me sentir arriver. Voilà! Ah, ah mais c'est cool ça. En plus, le jeu te dit carrément de le faire. Il te dit, vas-y, tue les trucs sans défense. Ça te donnera plus que de toute façon taper sans dépôt. Ah, voilà, des ennemis qui ne se défendent pas. Viens ici! Ah, bon, je vous aurai la prochaine fois. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un ragdoll. Oh non, 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 mon crâne! Si jamais je l'envoie là, il se passe. Pourquoi il brille, lui? Ça me rappelle dans la cour de récré quand j'envoyais le ballon sur la rue. Vous pouvez me le renvoyer, s'il vous plaît? C'est pas grave. On avait un deuxième ballon. Bon, ben, sinon, on peut jouer à un autre jeu. Hein. Bon, ça suffit. On va pas non plus jouer avec tous les crânes du jeu parce que. Attends, attends. Je vais t'avoir, je vais te coincer, je vais te brenne. Ah! Non, non, non! Ouais, voilà! Je fais un massacre. Bon, ben, je vais rester dans cette zone. Je pense que pour les 2-3 premiers épisodes, on va farmer. Ouais, ça nous donne quoi? 3 XP par mob. C'est comme si on tapait sur les sangliers dans WoW. Alors, où est la carte? Ah, d'accord, j'ai trouvé la carte. Allez, de le menu de carte. Vous pouvez consulter votre usine. Oui, d'accord. Donc ça, c'est la grotte du savoir. Moi, je suis là. Ça, c'est un cimetière. Ça, c'est le commencement. J'ai déjà vu un peu plus précis comme carte. Parce que là, techniquement, ça ou des indications dans le métro, c'est la même chose. Ah, est-ce que nous avons enfin des ennemis qui vont se défendre? Est-ce que je peux descendre ici? Oui, je peux descendre. Allez! Ah ouais, mais non, mais s'il va voir ses copains, là, ça va être plus compliqué. Allez! Voilà. Un groupe d'ennemis vous permet de remplir vos fioles. Ah bon? La quantité et le type des fioles varient en fonction du groupe d'ennemis. Vous ne pouvez remplir vos fioles au-delà de votre répartition actuelle. Oui, mais ça c'est normal. D'accord. Très bien. Et pourquoi lui il est tout rouge? Ah, c'est parce qu'il est mort dans l'autre sens. Très bien. Parfait. Oula, et là j'ai des petits ralentissements. Pourtant j'ai pas mis les graphismes trop haut, hein. J'étais sage à ce niveau-là. J'ai fait attention. J'ai pas mis tout en élevé. Parce que le jeu est beau, mais je veux pas non plus que ça soit infâme sur la vidéo et surtout moi pendant que je vais jouer. Alors là je vais me promener. Hein. Oula, là ici ça lag un peu. J'imagine que c'est parce qu'il faut que je charge un peu la zone. Du moment que ça ne lag pas pendant. Oula. Du moment que ça ne lag pas pendant les boss. Pendant les combats. Moi ça va. C'est pas très grave. Très bien. On va se faire la main sur. C'est quoi ça? Apparemment, tu peux pas mal. Ça fait penser à The Witcher. Au début, tu ramasses toutes les herbes, les fleurs que tu trouves sur ton chemin en te disant, ah, je vais devenir hyper balèze en artisanat et finalement, t'en as jamais besoin.
T'en as jamais besoin et t'as plein de merdier dans ton inventaire qui ne sert à rien. Mais je vais le faire quand même. Voilà. Ce truc-là, je ne sais pas, c'est étrange. C'est un ennemi, ça? Non, c'est pas possible que ce truc-là soit un ennemi. Par contre, j'avais vu un ennemi ici, ouais, voilà. Hop, on va le cibler. Est-ce qu'ils sont en train de chanter? Ah, petit matériau ici. Ouais, champignons. Mais c'est ça, ils chantent. Et moi aussi, je veux chanter. Et voilà, je t'ai raté. Là, je t'ai eu. Qu'est-ce que vous faites? Toi, t'as l'air plus dangereux avec ta torche. Aïe, aïe, aïe! D'où tu viens, toi? Ah, il faut pas se retourner quand je fais la parade, parce que sinon, je... Voilà. J'ai bien regardé le sol pendant les attaques. Allez, il reste juste ce charmant monsieur là avec sa torche, je pense. Oula! Allez! J'avais pas regardé mon... Pas fait attention à... Oula là, dis donc, j'ai eu mal. Ah mais vous êtes combien? Ah non, toi tu es un rat mutant. Tu t'es enfui de FF7. Mais c'est fini, là j'en entends encore. Ça. Et la saleté! J'ai déjà plus de... C'est pas possible, je les ai pas tous eus. Je pensais que ça remplissait mes fioles, ce truc-là. Ou pas. Et donc, il gardait cette entrée. Il gardait ça aussi. Ah, c'est la clé qu'il me fallait au début. Donc, ça veut dire quoi? Il faut que je revienne au début pour... Ouais, j'ai pas vu. Ma vie est bien tombée en plus. Il me semblait que quand je battais un groupe d'ennemis, ça remplissait mes fioles, mais de toute évidence, soit je ne l'ai pas fait correctement. Ah d'accord, si tu le brises, en fait, il y a quelque chose dedans. Bah là, j'ai tout vide. Non. Ok, on va descendre dans le conduit. Tenir des matériaux. Ah oui, les champignons. Allez. Allons nous faire saucissonner. Oula! Vous m'avez entendu? Aïe! Oh, je vais crever. Oula! Je vais vraiment crever. Aouh! Non, 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 attendez! Attendez, je suis pas prêt! Ah, j'ai plus d'endurance. Eh, mais dis donc, j'étais vraiment pas prêt en fait. Ok, là, ça a rempli ma fiole. C'est bon. Et je suis déjà presque mort, contre des rats. Parfait. Parfait, parfait, vous m'avez déjà bien piqué les fesses. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné le droit d'aller dans un monde merdique. Et là, je vais combattre le prince des rats, c'est ça? Le seigneur des rats. Ah!
Bah c'est bien. Du coup voilà ma vraie récompense. Voilà, un truc qui ne servira sûrement à rien pour l'instant. Oula! Ah ouais! Mais non mais va-t'en toi, va-t'en de mon écran. Oula. Qu'est-ce qu'il fait? Oh mais tu vas. Et voilà, deuxième mort, enfin la première réelle mort je pense. Ah dès qu'ils ont un peu plus de vie, c'est déjà l'horreur. Bon, très bien. Bah, il va falloir que je m'entraîne à la parade, hein, parce que sinon ça va pas être possible. C'était juste un mob, hein, c'était pas un boss ce truc. Quelle horreur. Ah, et je... Lorsque vous revenez à la vie, au dernier 6 degrés, toutes les runes que vous possédez restent à l'endroit de votre mort si vous mourrez à nouveau. Oui, ça c'est comme dans Nioh, ça je le savais. Allez. Waouh, 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 attendez, 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 attendez. Lui, j'arrive pas à le... Ah oui, mais... Attends. Non, non, non. Non, mais il est lent, en plus, je devrais pouvoir m'en sortir. On va plutôt y aller avec les esquives, je pense, parce que honnêtement, les parades, ça m'a l'air un peu tendu du site. Par contre, qu'est-ce que tu fais, toi? Oh la vache! Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Mais c'est le début du jeu, laissez-moi un peu une chance. Mon dieu. J'avais géré le premier mob et le deuxième viol. Bon, très bien, pas de panique. Bon, la bonne nouvelle, c'est que voilà, je récupère tout de suite. Oula. Ah non. Oh là là là. Ah là 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 là, j'ai mon coup des stocks mais à côté quoi. Ah et voilà le poteau là-bas qui arrive. Oula. Ok, lui on va essayer de le... On va essayer... What? Il m'a... Ah ou oh, mais t'es où? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais t'es où saloperie? Ah, il est là-bas. Ok, on va peut-être le laisser tranquille pour le moment. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis pas tellement obligé de le... Oula, je l'entends! Non mais toi c'est l'enfer, toi. Ouais, tu m'as touché. C'est déjà mon dernier... Mais tu m'as touché encore? Mais quel enfer! Mais quel enfer! Déjà 3 morts! Cette zone, c'est déjà l'enfer. Est-ce que j'avais le niveau pour venir ici? Ou je devais aller farmer un peu dans l'open world?
Si j'arrive à taper l'espèce de gardien qui se promène partout, ça devrait aller. Les autres mobs, on devrait pouvoir les gérer. Mais là, l'autre, il faut que je récupère déjà mes... Oh ouais, mais d'accord, mais ils repop tous, ouais, évidemment. C'est comme Nioh, c'est ça, c'est comme Nioh. Aouh, aouh, oh, oh là 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 là, les dégâts, mais c'est... Mais... Oula. Ah non, esquive. Non, mais je peux pas y arriver, là. J'aimerais bien repartir d'ici. Ah, je peux pas. Mais c'est la mort. Ah oh ouais, d'accord. Je fais comment? Il m'enchaîne sans aucune pitié. Oh mon dieu. C'est premier épisode et c'est déjà l'enfer. Non mais je devais pas me trouver là en fait. Je vais pas être ici. Oui, il faut que je sorte de cette zone. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Non mais il fallait me le dire que je devais pas venir. Bon, qu'est-ce que vous me dites, vous? Cercle d'Elden rendu. Je veux rentrer chez moi. Mais oui, je veux totalement rentrer chez moi. Ah ouais, mais non, mais lui me... Mais non, mais... Ah! Mais je suis censé l'éviter comment, lui? Oh là 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 là. C'est pas possible, parce que... Mais attends, c'est... Mais j'évite ça comment? Comment je l'évite, ce truc? Oh, et en plus, il faut que j'aille chercher les âmes là-bas maintenant. Oh non, mais oublie ça. Non mais c'est pas normal là, c'est ce truc là, c'est comment tu les évites, les coups? Je peux pas les éviter. Oh, ne me touche pas. Je m'en vais. Aïe! Mais c'est pas possible, ce truc! Vous trouvez dans chaque jeu des effigies d'une partie. Ceci offre des recueils d'invocations. Il vous sera plus simple d'invoquer d'autres joueurs près d'elle. Ok, oui, d'accord, très bien, les autres joueurs. Mais il me suit pas quand même. Non, il me suit pas, mais il continue à me tirer dessus. Très bien. Voilà, paf. Ah oui, non, je sors littéralement de cette zone de l'enfer là. Et donc si je me repose, ça me remet pas de la vie en fait, hein. Je pense que ça me permet juste de refaire des fioles. Ah. Ah, con de toi, bah attendez, si je me repose encore, ça va les remettre en fait. Quitter. Je suis juste des tests. Hein. Oui, c'est bon. C'est juste se poser, ça remet tes fioles. Okay. Donc ça va. De la graisse. Là c'est un mur. Je sors de ce merdier. Mais si ça se trouve, je devrais peut-être utiliser ça, en fait. Ah, et là je sais pas où je suis. Ça a l'air vachement moins amical que la première zone. Ah, des ennemis. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va, ça a l'air juste d'être de la décoration. Allez, on va tester ces ennemis-là. Oula vache, non, non, non. Non, 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 je rigolais. Aïe, aïe. Non, mais j'avais pas compris que vous étiez aussi fort que les autres. Mais au secours. Mais tout le monde est beaucoup trop fort dès le début. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que je suis là. Donc je devrais pouvoir récupérer assez facilement. Mais finalement, l'épée est beaucoup plus intéressante.
aller récupérer mes âmes, si possible. Elles sont où mes âmes? Doivent être ici quelque part. Ouais, elles sont là. Ouh, et voilà les charmants monsieur, donc on va se dépêcher. Je pense qu'ils m'ont gaulé en plus. Ouais, ils m'ont gaulé. Allez, pas tous par contre. Allez, un, c'est bon. On va pouvoir essayer de le gérer. Allez, mets-toi. Voilà, deux coups. Ah, trois. Il s'énerve et je suis bloqué. Oh là 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 là. Je suis censé l'éviter, ce truc-là. Je suis censé le parer. Je suis censé faire quoi, moi, avec ça? C'est l'enfer. Alors, je sais que je peux contre-attaquer au bon moment. Donc, techniquement, je pense qu'il... En fait, il faut juste que je pare au bon moment. Si j'arrive à parer les ennemis au bon moment, je crois que je peux arriver à m'en sortir. Mais il faut vraiment que je trouve le système pour faire les parades au bon moment. Ça devrait aller mieux tout de suite. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Manque cruel d'amis. Ouais, mais ça, c'est l'histoire de ma vie. Allez, bon, en attendant, on va ramasser des trucs. Ne me faites pas regretter de ne pas avoir fait un mage. Mais non, mais ils sont juste horribles. Si seulement, déjà, j'en avais juste un à gérer, ça irait. C'est déjà un, c'est déjà compliqué. En fait, ça ne va pas pareil. Là, m'a l'air extrêmement méchant aussi. Ah, ok, faut pas marcher là-dedans. En fait, faut parer au bon moment. Je pense vraiment que c'est ça. C'est quoi ça? Parce que ce truc là est en train de cracher, mais j'ai pas trop envie d'aller dedans. Je suis à la recherche d'ennemis faisables, d'ennemis battables, si possible. Y a-t-il des ennemis que je pourrais gérer dans la zone? Des choses qui ne bougent pas trop, qui n'ont pas trop de vie? Voilà, genre ce bousier géant là. Ah. Apparemment il a pris la fuite. Ah bah dis donc. Il est comme moi, c'est un autre joueur. Il craint tout ce qui bouge dans ce jeu. D'accord, je n'ai aucune idée d'où je vais. C'est exploration totale. Si ça se trouve, je suis en train d'aller vers la fin du jeu déjà. Oui, il faudrait qu'on se batte un peu là, parce que sinon ça va être l'enfer. C'est déjà l'enfer. Ok, là je l'ai paré. Ce truc là. S'il ne m'attaque pas, je ne l'attaque pas. On va pas non plus chercher la merde, étant donné que c'est déjà la merde. Ah, lui, il va peut-être m'attaquer. Oula! Ah, non, 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 je veux pas mourir ici, je veux pas mourir ici. Mort ici. On va prendre l'effigie parce que je pense qu'elle était plus proche. Et maintenant il faut que j'aille récupérer mes âmes. Ces boss là, ces mobs.
Pourquoi eux ne m'attaquent pas? Ouf! Je l'ai pris. Ok, est-ce qu'il me suit? Je pense pas qu'il me suive. Non, je pense pas. Où est-ce qu'on est? Ok, je ne t'approche pas, tu ne... Voilà, je vais juste récupérer ça. Ah mais y a rien ici, y a juste ça. Oh, y en a qui ont déjà déponné. C'est quoi ça? Oh d'accord, tu peux ramasser ces trucs là aussi. Bon. On... Ouais mais à défaut de faire de l'XP. Mais et si je le tape ce truc? Il a pas l'air très costaud. Ouais. Bah si c'est juste ça qui fait, ça devrait aller. Je suis même pas certain que ce truc fait vraiment des dégâts. Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que... Quoi? C'est tout? Ouais, bah en même temps c'était pas vraiment un ennemi là, j'ai plus l'impression d'avoir tué le gardien de la forêt ou un truc comme ça. Je peux pas aller chercher ce loot? Qu'est-ce que quoi? J'ai échoué, hein, bon. C'est le moment de l'incantation. Bon, on va repartir, hein. Objet précieux droit devant. J'ai pas vu grand chose. Où est-ce qu'on est? On est perdu, très bien. Mais et du coup quoi, j'essaie de taper sur ces choses-là. Et là maintenant elle me calcule pas. Vraiment étrange. Allez, on va essayer de sortir de cette zone. Je sais pas pourquoi, mais j'ai quand même l'impression que cette zone-là, elle est un peu con. Mais voyons donc, qu'est-ce que quoi? Allez, hop. Non mais. Voilà, donne-moi ta rune. Donne-moi ta rune. Non, arrête de te baisser. Et ben, je pense qu'on va. Ouais, je vais m'arrêter là pour le premier épisode. Ça fait déjà beaucoup de morts et ça fait déjà beaucoup de fails. Mais bon, allez, on se retrouve. Mais on se retrouve tout de suite.